pour plus d'informations. Avec bon salaire, Alcora, Gaïda Makoum. C'est digne du comportement peu confraternel que la télévision tchadienne a affiché à l'endroit des organisations signataires de ce devoir de réponse dans le traitement des informations relatives à la journée sans presse, d'ailleurs très bien observée ce samedi 19 mars 2022. En effet, tout en censurant l'annonce de cette journée sans presse appelée par des organisations professionnelles légales et réputées dans le secteur, l'UJT, l'AEPT, l'URPT, l'APCOM et la SODEMA considèrent qu'en plus de violer les règles professionnelles, notamment le code déontologique et les lois sur la communication au Tchad, la manière de traiter les organisations professionnelles avec de la désinformation est un manque de solidarité de la part de la Télé-Tchad. Pourtant, les organisations professionnelles ont toujours été aux côtés des journalistes des médias publics pour défendre leurs intérêts moraux et matériels dans des moments difficiles. De la journée sans presse, lancée par l'Union des journalistes tchadiens UJT, l'Association des éditeurs de la presse privée du Tchad, AEPT, l'Union des radios privées du Tchad, URPT, l'Association des techniciens de la communication, ADCOM, la Société pour le développement des médias en Afrique, SODEMA, l'Union des journalistes arabophones indépendants du Tchad, les directeurs des radios et télévisions privées, ainsi que des journaux et médias électroniques.